to the record, baby, and give me the list right now. Chez Tonton, Ben au micro, on est parti, 38e épisode de cette série où l'on découvre le mode full manuel de PES 2020 à travers d'une Ligue des Masters avec Monaco. Et battle du jour, battle pour le titre, Monaco-Valenciennes à Louis II. Monaco 1er, Valenciennes 4e, alors Valenciennes ne joue pas le titre, mais par contre Monaco qui a 8 points d'écart avec Lens. Si Lens venait à faire un résultat, un mauvais résultat, venait à perdre son match aujourd'hui et que nous venions à gagner, nous pourrions mathématiquement être champions dès aujourd'hui. Et je vous avoue que être champion à Monaco, dans l'absolu, j'aimerais bien. On regarde un petit peu la présentation de ce match, les tenants, les aboutissants. On joue le match en lui-même et puis on se retrouve à la fin pour savoir si on fête le titre ensemble ou si... On se console et on patiente jusqu'au déplacement à Clermont. Allez, c'est parti. 35e journée, le compte à rebours avant la fin de saison est lancé. On est à 4 matchs de la fin. Opposition du jour, Valenciennes. Valenciennes qui est une bonne équipe, une équipe offensive et qui est surtout une équipe qui vit bien en ce moment. Alors vous avez tendance sans doute à penser que je vous survends un petit peu les matchs. Mais Valenciennes, sur ses 10 derniers résultats, n'a perdu qu'une fois contre Lens. Donc c'est une équipe qui est très en forme, mais avant de s'intéresser un petit peu plus au classement, etc., on commence par aller voir ce qui s'était passé au match aller. Le match aller qui clôturait l'année 2019, puisqu'il avait lieu le 30 décembre dernier au stade du Hainaut, où Monaco venait défier Valenciennes, une équipe valenciennoise, sur un bloc un peu divisé qui joue sur des ballons longs avec un bloc très bas et un triptyque d'attaquants, enfin deux sur le terrain et un remplaçant, mais un triptyque d'attaquants très fort, on va le voir tout de suite avec les compositions. Côté valenciennois, effectivement, Guillaume et Chevalier devant, Moukandjo sur le banc. Sont les trois joueurs vedettes de cette équipe. Le reste est quand même beaucoup plus faible, avec, à part Bong en défense, que des joueurs à 64. Donc, une équipe un petit peu plus faible que nous, enfin moins équilibrée que nous, parce que les attaquants sont quand même plus forts. De notre côté, une équipe qui, avec la fatigue, est largement remaniée, puisque pour Monaco, Arcas avait pris la place de Quesedo sur le côté droit, Balanta jouait à la place de Tchouaméni comme organisateur de jeu, Aitich était milieu défensif, le reste c'est l'équipe type. Au niveau des consignes d'équipe, c'est les mêmes que d'habitude, sauf que là on jouait en ballon long pour essayer de faire bouger cette défense. Et on commence à la quatrième minute avec ce ballon qui passe par Balanta. Vous voyez, on essaie de faire bouger le bloc en allant de haut en bas. Bielik qui écarte sur Silla. Silla qui va tenter de centrer. Beau centre, belle intervention du gardien devant Martinelli. Mais Martinelli qui était hors jeu. Donc pas de regret pour Martinelli de ne pas avoir capté cette balle. Les Kosic quand même bien inspirés sur cette interception.
Il se passe pas grand-chose dans cette première mi-temps. On bascule directement à la 33e minute avec un ballon gratté par Etic. Etic qui va s'appuyer sur Martinelli. Martinelli qui la remet à Balanta. Balanta qui contrôle et qui frappe. Et Kostić qui intervient bien. Alors cette balle manquait peut-être un petit peu de puissance. Le ballon est mal dégagé. Balanta, Martinelli qui la laisse passer, qui frappe. Et encore Kostić sur la trajectoire. Bon placement de Kostić. Celle-ci était beaucoup plus dangereuse. C'est sans doute l'occasion la plus dangereuse de cette première mi-temps. Et 40e minute. Corner pour Valenciennes. Attention, attention à cette tête. Ouh, elle n'est pas passée loin cette tête. Le Valenciennois qui se déplie bien. Et on repart avec les Valenciennois à la 45e minute, mais il ne se passera rien d'autre dans cette mi-temps, qui était quand même d'un niveau assez faible. On va le voir sur les stats. Très peu d'occasions d'un côté comme de l'autre. Alors des tirs du côté monégasque, on l'a vu, tous les deux cadrés, mais en fait un seul vraiment dangereux, celui de Martinelli. Le reste, ça ne l'était pas. Un tir non cadré de la part de Valenciennes. Monaco qui a la balle, qui a eu des bonnes stats de passe. Un taux d'interception élevé des deux côtés, hein. Ça se dispute beaucoup au milieu de terrain. On l'a vu, un bloc qui est très regroupé, hein. Il joue à 8 derrière avec deux attaquants sur lesquels il balance. Allez, on est reparti avec Monaco. Monaco qui remet en jeu. Qui va essayer de se porter vers l'avant. Mais cette balle est interceptée. 51e minute. Là, Valenciennes qui joue bien le coup en relais. Avec un ballon écarté sur Guillaume. Guillaume qui réussit à centrer. Ouh, intervention in extremis de Soleil. Mais attention, Guillaume qui la récupère encore. Guillaume qui a tenté de frapper et encore intercepté cette fois-ci par Perrin. La relance était mauvaise. Heureusement, Perrin puis Silla veillaient. Et les Monégas qui s'en tirent enfin. Un ballon récupéré à la 64e par Silla. Silla qui va écarter sur Martinelli. Martinelli qui va attendre du renfort. Hein. Martinelli qui va centrer sur Balanta. Balanta qui place bien sa tête. Mais là encore, ça manque de puissance. Un ballon plutôt facile à capter pour le gardien. 73e minute. Un long ballon de Gurza pour Balanta. Balanta Martinelli. Martinelli qui va écarter sur Arcas. Arcas qui va aller défier le défenseur. Non, qui remet sur Balanta. Balanta qui prend la frappe. Mais encore une fois, ça part de trop loin. Ça manque de puissance. Et le gardien qui se couche bien dessus. 83e minute. Est-ce que Monaco va avoir sa dernière occasion? Silla qui va défier Bong. Silla qui protège bien sa balle. Silla qui joue en relais sur Texera. Texera qui tente de centrer sur Martinelli. Mais ce ballon est dégagé. Bien récupéré par Etic. Etic qui la remet sur Arcas. Arcas qui défie Abejo. Arcas qui va réussir à centrer sur Casteldin, rentrer à la place de Balanta. Mais Casteldin qui va complètement rater sa frappe et qui tire 2 mètres à côté, on va le voir. Une reprise de volée, alors elle n'est pas facile hein, parce qu'elle est en reculant. Mais aucun danger pour Valenciennes. 89e minute, un long ballon pour Etic récupéré, mais Etic se bat et la gratte, un relais sur Martinelli et qui remet sur Etic en profondeur. Etic qui va faire le face-à-face contre le gardien et qui le perd. Et ce sera la dernière occasion du match. Ah, une balle qui aurait pu être décisive là sur la fin. Mais mauvais ballon pour Etic qui venait de se faire une course de 70 mètres qui a manqué de lucidité. Et le gardien qui se couche bien. Monaco, on l'a vu, qui a dominé 57% de possession de balle. 6 tirs, 5 cadrés. C'est plutôt bien sur le papier, sauf que les frappes n'étaient pas assez appuyées pour donner des occasions dangereuses. Et au final, un triste 0-0.
Et bien entendu, on va essayer de faire mieux pour cette nouvelle journée de championnat que le triste résultat que nous avions fait à l'aller 0-0. Le maître mot aujourd'hui, c'est de gagner pour se donner une chance d'être champion. On regarde les autres oppositions et surtout l'opposition de Lens. Donc Monaco-Valenciennes, ça on en a largement parlé. Caen-Châteauroux, Lorient-Niort, Sochaux-Paris, sulfureux pour Paris. Nancy-Ajaccio, attention à Ajaccio qui est capable de créer des surprises. Nancy qui est quand même en course pour la montée, hein, toujours coude à coude avec Valenciennes et Lens. Auxerre-Grenoble, Le Havre-Troyes, Orléans-Le Mans, Lens-Chambly, Rodez-Clermont. Lens-Chambly qui n'est pas si loin, Chambly qui est un peu en embuscade, c'est une équipe milieu de tableau, mais milieu de tableau haut qui doit être aux alentours de la 10e place, on va aller regarder ça dans le classement tout de suite. Alors pas 10e mais 11e, on n'était pas loin, donc Chambly qui est une équipe qui est capable de créer des surprises, on aimerait bien parce qu'on a envie que cette équipe lensoise perde. On a envie de leur prendre au moins un point, voire trois, pour s'assurer le titre. Hein. Je bloque un peu là-dessus, mais c'est vraiment ce qu'on veut aujourd'hui. On va commencer par s'intéresser à notre adversaire du jour, parce qu'avant de penser à être champion, il va quand même falloir penser à gagner ce match. Donc Valenciennes, qui est une équipe solide, hein, je le disais, qui n'a perdu qu'une seule fois contre Lens sur ses 10 derniers matchs, hein. Donc c'est une équipe qui vit plutôt bien, alors avec beaucoup de nuls quand même, mais c'est une équipe qui marque pas beaucoup plus que nous, c'est une équipe qui prend pas énormément de buts en fait, ça doit être l'une des meilleures défenses du championnat si on compte pas nous qui avons pris un irréaliste 8 buts depuis le début de la saison, une équipe qui prend 8 buts en 34 matchs. Honnêtement, elle n'est pas dans la ligue qui lui correspond. Ça, c'est un peu ce qui a été faussé sur cette saison. Mais on va aller regarder dans les classements des buteurs et des passeurs s'il y a des joueurs de Valenciennes. Alors, il y en a au moins deux, hein, on le sait, hein, puisque de toute manière, on regarde les classements à chaque journée. Moukanjo, qu'on est quand même à 12 buts, qui pourrait finir meilleur buteur de cette saison. Et Chevalier, qui est également à 11 buts. C'est beaucoup, hein. Ils ont marqué 22 buts à eux deux. Si en plus on ajoute les buts de Guillaume, 7, ça fait quand même 30 buts de l'équipe. Je me rappelle plus le nombre de buts qu'ils ont marqué, mais alors, ils doivent en être un truc genre 30, 34 ou 38, un truc comme ça. Ce qui veut dire qu'eux trois, ils ont marqué quasiment tous les buts de l'équipe. Alors après, sauf si certains jouent pas à leur poste, a priori l'entraîneur pourra quand même pas faire jouer trois attaquants centraux en même temps sur le terrain. On regarde un peu le classement des passeurs aussi. Et là, on retrouve des joueurs sur lesquels on a un petit peu moins focus parce que cette saison, parce qu'ils sont toujours restés un petit peu en retrait de toute cette palanquée de joueurs là, qui était à cette passe décisive. En l'occurrence, Diliberto, le milieu offensif, et Fedel, le milieu récupérateur. Si on descend un petit peu, on en a un autre un petit peu plus bas. On a Masson, le milieu défensif qui en est à 4 passes décisives depuis le début de la saison. Bon, on va aller regarder si tout ce petit monde joue aujourd'hui. Et pour le coup, c'est bien le cas, ils sont quasiment tous là. Alors quasiment tous, parce qu'il manque Chevalier qui est sur le banc, mais Moukanjo et Guillaume sont sur le terrain. Alors je ne me souvenais pas que leur note générale était aussi haute, 76, ça doit en faire deux des meilleurs attaquants en termes statistiques. Enfin, statistiques. En termes... Note que du championnat avec Martinelli. Pour le reste de l'équipe, bah, les joueurs habituels, Fedel, Masson et Guillermo en milieu de terrain. Niveau défensif, 8 joueurs hein, à vocation défensive, comme à l'aller, donc on va essayer d'attaquer un petit peu plus. Kufo en défenseur droit, donc ça va être un peu plus solide de ce côté-là. En revanche, dans les défenseurs centraux, N-Team qui joue ce match, Dabo doit pas être en forme de leur côté, parce que sinon je pense qu'il serait titulaire. Bongo milieu, c'est leur meilleur défenseur. Et le reste c'est un petit peu plus faible. C'est un petit peu plus faible. Prior dans les buts 69, c'est correct sans étouffe.
Au niveau des états de forme chez nous, bah, tout le monde est en forme à part Dabo, mais Dabo étant sur le banc, c'est pas trop grave. Et je n'ai pas vraiment envie de faire entrer Carlsen qui va partir. Je préfère laisser Dabo sur le banc, même en méforme. Nous, on va attaquer comme d'habitude avec Martinelli. Alors Martinelli qui aura quand même fort à faire avec Bong sur le dos et Spano Rabiot, je crois qu'il s'appelle leur autre défenseur central, celui qui a 69. On va essayer évidemment de passer sur les ailes avec Caicedo qui va aller défier Abed qui n'est que 64. Donc a priori on devrait pouvoir essayer de passer de ce côté-là comme d'habitude. Et Silla qui est en forme, lui essaiera d'aller défier Cuffo qui est à 71. Comme d'habitude, Aurélien Tchouaméni mènera le jeu. Derrière, Bielik sera un petit peu plus défensif et Balanta fera l'ascenseur entre la défense et l'attaque. Gyorza Abner sur les ailes, vous en avez l'habitude. Perrin, qui est très en forme, mènera la défense. Il aura à ses côtés Solé et Fruchtel dans les cages. Tout ça ne change pas. Au niveau des tactiques d'équipe, bah écoutez, je ne les change pas, je ne les change plus en fait. Parce que on était parti avec un effectif court en début de saison pour capitaliser sur le fait de ne pas avoir beaucoup de joueurs et de faire monter plus facilement la cohésion d'équipe. On est parti de 38, on est à 82 aujourd'hui. J'ai pas envie d'altérer cette cohésion d'équipe. Donc je change pas le plan de jeu. On va juste peut-être éventuellement mettre le bloc un petit peu plus haut puisqu'il joue avec. Il joue avec 8 joueurs à vocation défensive. Alors même s'ils vont essayer de nous prendre en compte, on va jouer un petit peu plus haut, histoire de se créer un petit peu plus d'occasion. Salut à tous, on est ravis de vous retrouver pour cette rencontre à ne manquer sous aucun prétexte. Dans 90 minutes environ, on pourrait assister au sacre d'une équipe qui a réalisé un parcours superbe dans ce Ah bon, on championnat. aimerait, Mais Grégoire, pour on ça, aimerait. il lui faut impérativement s'imposer aujourd'hui. Autant dire que les joueurs sont extrêmement motivés. On les a vus à l'échauffement. Il y avait beaucoup d'engagement, de détermination dans les taureaux comme dans les frappes au but. Espérons que ça va se traduire dans le jeu. Vous Espérons. avez bien sûr reconnu le stade Louis II qui s'est paré aux couleurs de l'AS Monaco. Allez, on va On sent jouer que les joueurs offensif ont dès le vraiment envie de départ. commencer la rencontre. Ils ont réalisé Il joue à une beaucoup derrière. superbe On va saison. essayer de Ils nous prendre en savent compte, que hein, évidemment. victoire, tous leurs efforts seraient récompensés. C'est une véritable finale pour eux. On sent beaucoup de détermination. C'est un craignier qui ne s'effondre sous la pression de ce grand rendez-vous. Et moi, j'ai plutôt l'impression que ça les galvanise. Allez, 1 minute de jeu, premier corner. On ne l'a pas signalé, mais le coup d'envoi a évidemment été donné. C'est un exercice qu'on aime bien, hein, je vous le rappelle. Et voici un match décisif pour le titre. Deuxième poteau. C'est dégagé trop fort. loin. La Allez. tentative. Ouf. C'est un spécialiste des frappes lointaines, celui-là. Ouais, alors peut-être pas en tournée acrobatique hein, en même temps, mais. Monaco qui peut avancer. Allez. Ça va sur l'aile. C'est le moment de centrer. Monaco, qui à ces temps-ci fait de son stade une véritable forteresse. Il passe sur l'aile droite. Oh. J'essaie d'alterner gauche-droite là pour faire bouger un peu ce bloc. Tenter d'enchaîner après sa courte victoire lors de la dernière journée. Eux, ils veulent nous faire sortir, évidemment. La longue passe, ils peuvent en On profiter. va lancer sur leurs deux gros avants. Ça peut partir en contre. Le ballon dans la profondeur. C'est dégagé. C'est bien là ce mouvement entre Caicedo et Gyorza, c'est un truc qu'on fait bien ça. Tchouaméni, Balanta, essaye de construire. Abner qui va écarter pour Silla, qui va essayer de centrer directement. Silla, bien servi sur le côté. Ouais, j'ai pas réussi à la redresser. Tactiquement, c'est quand même pas Je vais essayer de temps en temps comme ça de faire ça là, de vous annoncer un petit peu avant. Pas seulement, et de couper les côtés pour tirer cette défense et
qu'on veut faire, que ce soit bien lisible dans le jeu. J'essaie donc de la laisser passer, voilà, pour prendre de l'élan. Et ce ballon devant le but. Ouf. Elle n'était pas assez forte. Enfin, le centre n'était pas assez fort, pardon. Kessego qui avait pris son vis-à-vis de vitesse à Abed le plus loin, on en profite. Et ce centre qui n'est pas assez fort, du coup, Martinelli se retrouve en bonne position, mais pas devant le but. Et quand il vient la couper, ça sort, c'est compliqué pour lui. Il décide d'allonger le jeu. Je peux pas vraiment croiser sur ce. J'appuie surtout sur, par réflexe. Quelle intervention de Soleil. Et Soleil intervient bien. On repart ballon à Bielik. Bielik, Abner. Lucilla, c'est là. Oula. Sylla qui se mange sur la passe là. C'est joué long. Bien joué Bielik. Le capitaine qui montre l'exemple. Tchouaméni Balanta. On va écarter sur Quesedo. Pareil, on va laisser passer pour prendre de l'élan. On va revenir en arrière sur Gyurza. Gyurza qui centre. Le centre dans la surface. Et la tête de Sylla ou pas. Bien contré par la défense. Et le gardien qui peut se relancer. Vous nous rejoignez, sachez que vous n'avez manqué aucun but, mais alors aucun. S'il le trouve. Dans la profondeur. Oh, Quesedo qui a arrêté son appel. Allez, pour revenir à l'intérieur pour le gêner. Ouf, Martinelli qui a failli gratter ce ballon. Long ballon dans le sens du jeu. Soleil qui va encore intervenir. Tchouaméni. Qui est le premier sur le ballon. Il avance bien. Il par contre, la porte se referme. Bonne intervention qui stoppe net ce one-man show. Il cherche son coéquipier. Ça passera sur le côté. Allez, bien ça. Dans la profondeur, bien vu. C'est parti. Trop près du gardien. Bien placé le gardien. Il se saisit du ballon. Je vous le cache pas, c'est un peu relou comme début de match parce que comme il joue. On joue sur l'aile, il est servi. Il joue à 8 derrière, quoi. Il y a... C'est de l'attaque-défense avec pas de place pour passer. Alors il est à peu près évident qu'à aucun moment ils essayent de gagner ce match. Hein. Il tire à côté. Oui, ça part d'une bonne intention, mais malheureusement pour lui. Ouais, mais à un moment donné, on va faire ça aussi parce que là il est Martinelli, il est tout seul au milieu de 5, 6, 7, 8 joueurs. Compliqué d'aller la prendre. Il allonge le jeu. Oh, s'il réussit son contrôle, bonne interception. Il y avait danger. Il voit sa passe interceptée. Oui, il va falloir dire que ça manquait de précision aussi. Il frappe au but. Je vais finir par les cadrer. Hein. À un moment donné. Pour savoir s'il n'a pas mieux à faire. Il a frappé vraiment trop vite. S'ils veulent jouer à ça sur un malentendu, hein, j'ai envie de dire. Ok, je manque de précision en Fuma. C'est vrai. Enfin, sur les tirs, sur les passes, bon, je dis ça pour en rater une. Sur les passes, ça va quand même un peu mieux. Pas le temps de se lamenter, c'est déjà récupéré.
Là, on est à 80% sur ce match, là, pour l'instant. Non, mais c'est une blague. C'est une blague. Impossible pour le gardien d'aller la chercher là-bas. C'est clair, c'était carrément hors de portée pour le portier. Ce hold-up. En fin de mi-temps, on fatigue. Et ils en profitent. Ah, oh, c'est sale. C'est sale. C'est bien joué, hein, je vais pas dire le contraire, mais ça fait mal. Ça fait mal à l'ego, ça fait mal au moral. Valenciennes qui a donc ouvert le score. Il met le score, maintenant il faut pas laisser l'adversaire revenir. Il est sorti du jeu. Ça ne passe pas. Quelle inspiration! Là, il peut centrer. Et ce ballon vers la surface. La tête, elle est magnifique! Il était bon ce centre, mais manque d'efficacité à l'arrivée. L'AS Monaco pousse pour marquer. Il y avait du monde dans la surface. On est passé tout près là. Une très longue passe. Soleil qui récupère le ballon. Il était temps. Il poursuit son effort dans l'axe. Ça joue non. Vers l'avant. C'est reparti. Ils peuvent contrer. Il allonge vers l'avant. Fait chier, ils ont la réussite en plus. On en restera là pour cette première période. Les deux équipes regagnent donc les vestiaires avec ce bon. Petit d'écart. Rien n'est donc joué dans cette rencontre. 1-0, enfin 0-1 à la mi-temps. Dans cette première mi-temps. On va peut-être voir des changements. Donc, Anjo qui a décidé de gâcher la fête. 58% de possession de balle. 5 tirs, 2 cadrés. Eux, un tir, un cadré, un but. 67 passes tentées, 53 réussies, 14 interceptions. Sur les stats, on est devant de ouf. Et c'est le coup d'envoi, encore 45 minutes. Il faut oublier cette première mi-temps et vite revenir au score. Dans un match si important, ils n'ont pas le choix. Il a essayé d'y aller seul, mais sans réussite. Ouais, c'est sûr. Mais comme d'habitude, il manque le dernier geste. Sixième tir du match. Un seul de cadré, quoi. 1 sur 6. La bonne interception. Chouameni. Un long ballon vers l'avant. Silla. Ouais, il peut choisir de centrer. Il est resté calme en voyant son adversaire partir en dribble. Bonne intervention. Il décide d'allonger le jeu. C'est un ballon offert à l'adversaire. Il s'en frappe bien. Okanjo qui a c'est sans doute agréable à regarder en vrai parce qu'il y a de l'occasion, il n'y a pas vraiment de temps mort, mais à jouer c'est hyper frustrant.
surface. Quelle détente! Ah non, il n'a pas complètement réussi son geste. Il a mis tout ce qu'il avait, mais il a un peu forcé son geste. Puis plus on va fatiguer, plus on va se faire contrer comme ça. Hein. Chercher à réagir et effacer ce petit but de retard. C'est bien fait. Il est en bonne position pour centrer. Tchouaméni. Oh, quel geste! Le soutien derrière lui. Bien travaillé dans la surface. L'AS Monaco qui tente de belles choses là. L'horloge tourne, il ne faut pas baisser les bras. Ouais, on tente de belles choses, on est hyper précis, mais ça veut pas. C'est joué long. Enfin, hyper précis, pas sur les tirs hein, du coup. Okanjo. Ah, lui il saoule, lui. Il enchaîne les dribbles. Elle mange le jeu à frappe. Lui il saoule. Le Kanjo, on n'arrive pas à l'arrêter, hein, 1 contre 4, hein. En 2. Non, 1 contre 2, j'exagère, mais bon. Valenciennes, qui ne manque pas de monde, en tout cas dans l'axe. Je pense qu'ils craignent surtout les centres. Et dans ce genre de situation, il vaut mieux être nombreux. Allez, ça peut faire mal. Le centre est parti. La parade, magnifique. Là, il a préféré jouer la sécurité. Valenciennes qui utilise... Pour l'instant, ça tient. Guillaume et Guillaume qui laisse sa place à Chevalier. On remplace la peste par le choléra. Attention à ce... Allez, la tête. Martinelli sur une passe de Tchouaméni. La défense était bien présente. À force de tenter. Bon, capitaliser. C'est loin d'être fini, hein. Il en faut un deuxième. Elle est déposée sur la tête de Martinelli par Tchouaméni. Ça a vraiment été les deux joueurs de l'équipe de la saison. En tout cas, en termes de ressenti sur le terrain. Et ça repart du rond central, égalité parfaite. Alors là, ça peut être un très grand match parce que les deux équipes se rendent beaucoup. Je suis assez content des recrutements qu'on a fait. Globalement de cette saison qui est assez sympa avec des joueurs qui sont plaisants à jouer quand même pour des qualités diverses. Perrin pour sa capacité sur les têtes, Soleil aussi, Quesedo pour les coups de pied arrêtés. Donc il va vite sur ce côté. Bien joué ça, la longue passe. Oh. Petite mésentente. C'est centré. Allez. Oh. C'est dégagé loin devant. Ça allez. Peut être dangereux. Oh, allez. Un peu d'oxygène pour sa défense. Et le raid côté droit, il a du soutien. Oh, quel geste. Ça va sur l'aile. C'est joué long. Il est bien placé. Ce n'est plus le même match depuis l'égalisation. Ça pourrait donner non, c'est vrai. Un match complètement débridé. Quesedo qui est mort, on va aller mettre un petit peu de poids dans la surface.
Igorza, on a vraiment insisté de ouf sur ce côté. Qui est mort aussi. On profite de cet arrêt de jeu pour effectuer un changement. Et deux changements d'un coup. Et on va voir si c'est accompagné d'un changement de tactique. Non, c'est du poste pour poste. Les passes sont précises d'un côté comme de l'autre. Une très grande ouverture. Oh, c'est chaud. Il y a danger. Un premier ballon compliqué pour Perrin. Les deux équipes doivent faire attention au contre maintenant. Il faut garder ce ballon, faire tourner, être patient et saisir sa chance. Et quand tu veux, hein, Martinelli. Hein. Monaco pour aller chercher la victoire dans les dernières minutes. Ça passe à droite. C'est récupéré facilement. Ouf, un peu d'air. Ah, oh, mais quel dommage, quel gâchis, mais il n'arrive pas. Quelle passe. Pas les laisser contre-attaquer. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Ici là. Il tente de la jouer dans l'espace. Oh là là. Ah non, dommage. Les actions coûtent cher à ce moment-là du match. Ouais, c'est clair. Allez, Abner. Ici là. Martinelli. Il est côté droit, il y a un truc à faire. Il faut tout donner maintenant et marquer absolument. Le titre est à ce prix. Grave. Oh non, mais tout ça. C'était l'occasion de faire la différence. Quel dommage. Long ballon dans le sens du jeu. Ballon intercepté. Ça soulage la défense. Il y a du jeu, il y a du dynamisme. Malheureusement, ça reste stérile. Le ballon piqué sur le côté. Voilà une bonne occasion de contre. Ça doit être rageant pour eux. Ils auraient pu faire la différence sur cette action. C'est sale. Sale. Bah tu peux ne pas être d'accord, mais là pour le coup, mon grand, j'ai envie de te dire. Marquer maintenant, ce serait vraiment idéal. Alors je sais qu'il n'est pas en forme, mais... Il a différentes options, laquelle va-t-il choisir? Le jeu s'arrête, le temps de procéder à un changement. Et c'est par surprenant, il avait l'air de tirer la langue. Un peu de sang frais, ça va le faire du bien. Alors c'est pas Abner qui va tirer, c'est Tchouaméni. Est-ce qu'on a besoin d'un droitier? On peut pas faire de combinaison, hein. Ainsi. On va la mettre un peu plus fort que d'habitude. Allez. Oui. La persévérance est mère de réussite, les enfants. Ils ont joué tout le match en reculoir. Ce ballon qui est bien dégagé, mais revient sur Abner. Abner qui frappe, elle est contrée cette balle. Mais elle a de la réussite. En même temps, j'ai envie de vous dire, quand vous mettez 8 joueurs dans la surface, c'est des trucs qui peuvent arriver. Hein. Chez. Oh putain, qu'est-ce qu'il est bon ce but d'Abner. Ah non, il est bon temps. C'était ambitieux, c'est sûr.
En fait, peur ce coup. J'étais en train de baisser le. Voilà, j'ai baissé le bloc défensif là. À mort. On est pratiquement à la fin du temps additionnel. Allez, plus que quelques instants à tenir. Dabo. Il essaye de faire la différence côté gauche. Il allonge le jeu. Mukanjo. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Bien joué ça. Oh dommage, il était bien cette balle pour Martinelli là. Et c'est le coup de sifflet. Finale dans un stade qui gronde, qui trépigne. Voilà une dernière. Bon, avant les images, je suppose que l'on s'est perdu. Le titre, ils sont champions. Les voici les héros de la soirée, héros de toute une saison. Ils sont quand on a commencé cette saison, que j'ai dit qu'on allait finir en milieu de tableau, j'y croyais vraiment les amis, hein. je pensais vraiment pas qu'on serait champion. Ah c'est bon ça, allez Bielik, va chercher le trophée là, fais le tour de Louis II avec s'il te plaît, fais-nous plaisir. Je me demande si c'est pas la première fois que je gagne la Ligue 2 d'ailleurs, en Ligue des Masters. Champion de Ligue 2 les amis, on a fait ça ensemble. Attends, j'ai pas été très loquace hein, sur ce match. Il a été épique. 9 occasions, 5 cadrés. On a été agressif en deuxième mi-temps. 60% de possession de balle. 105 passes réussies, 134 tentées. On est 22 interceptions. On est très au-delà de nos stats habituels. Ça fait plaisir. Le joueur du match, Abner, évidemment, nous donne le ballon, enfin, il donne le but. Tchouaméni, Martinelli qui a été bon aussi. Akessédon qui n'a pas une très bonne note. Kuchtel non plus. Diaby qui a fait une bonne entrée. Texera, bof. Et Dabo qui n'a pas eu le temps d'être noté. Bon, bah, c'est plaisir. Bon, regardez les autres résultats pour s'assurer de, pour le coup, ce qu'on sait déjà, puisqu'on l'a vu en image. Monaco, bah, Valenciennes, donc 2-1. Caen fait match nul à domicile contre Châteauroux. Niort va battre Lorient. Sochaux continue de mettre Paris au fond du trou. Rien ne va plus pour le PFC. Nancy se fait accrocher à domicile contre Ajaccio. Là aussi, mauvaise opération pour Nancy qui aurait pu profiter du faux pas de Valenciennes, de Paris et probablement de Lens, voilà, qui a fait match nul à domicile contre Chambly pour gagner des points dans l'optique de la montée. Occasion ratée. À part nous, tous les leaders ont fait de mauvais résultats au final. Auxerre gagne à domicile contre Grenoble 2-0. Le Havre perd à domicile contre 3. Orléans s'impose à Orléans contre Le Mans 3-1. Lens-Chambly, on l'a dit, 1 partout. Et Rodez. Rodez se donne un petit peu, enfin d'air, pas vraiment, parce que ils sont, je crois même mathématiquement qu'ils peuvent plus ne pas être relégables. Mais ils gagnent quand même à domicile 2-0. Le classement, Monaco 76 points, Lens 66, 10 points d'avance, il reste 3 journées, 9 points possibles, donc mathématiquement on est champion, c'est bien ce qu'on disait. Nancy est à 7 points de Lens, ça va être compliqué d'aller chercher la montée, ça reste mathématiquement possible, mais ça va être compliqué. 8 pour Valenciennes, c'est aussi mathématiquement possible, par contre le Havre c'est mort, le Havre est à 13 points. Donc la montée se jouera entre Lens, Nancy et Valenciennes avec un gros avantage pour Lens. En bas du classement, on le disait, Rodez qui se donne un petit peu d'air, mais enfin, surtout par rapport à Châteauroux pour ne pas finir dernier.
Enfin, Rodez a encore 8 points de retard sur Niort. Il en reste 9 possibles. Ça me paraît quand même très compliqué de se sortir de cette zone de relégation. Et ça y est, on l'avait déjà pressenti depuis 2-3 matchs. Mukanjo, avec son but contre nous, marque son 13e but de la saison et devient donc le meilleur buteur du championnat. Cadavéré, qui aura fait quasiment toute la saison en tête, même toute la saison en tête au final, se retrouve deuxième. Alors c'est pas terminé, il reste 3 matchs, hein. Cadavéré peut encore s'en sortir. Et Martinelli n'est plus très loin, puisque Martinelli est à 10 buts. Il est à 3 buts du meilleur buteur, Mukanjo. Lui aussi, en 3 matchs, il pourrait encore le faire. Au niveau des passeurs, statu quo, Jean toujours en tête avec 10 passes décisives, ça n'a pas bougé. Quesedo toujours deuxième avec 8 points, il est rattrapé par Lopi, tout le reste est à 7 points, les mêmes que d'habitude. Un Andy Liberto quand même qui arrive, qui était à 6 passes décisives, qui est maintenant à 7. Sinon, Darpino, Thun, Laham, Livolante, etc. Gastien, Ekmeyer, Abergel, Lotet. Alors, il me semble qu'Abergel n'y était pas non plus. Petite conf de presse pour parler du titre, probablement. Vous avez assuré le titre alors qu'il reste 3 matchs à jouer. Quel est selon vous le facteur clé de la réussite? Je voudrais souligner la prestation offerte par Martinelli. Non, ça a été un effort collectif, c'est ce qu'on va mettre. Je crois que j'ai accompli un super boulot comme manager. Le mec pas prétentieux déjà. Non, ça a été un super effort collectif. À féliciter tout le monde. Ça a tout d'un cliché, mais on a dit aux efforts fournis par chacun des joueurs de l'équipe. Ils ont été tous excellents tout au long de la saison. Je suis assez d'accord avec ça. Eh bien voilà les amis, voilà, on est champion de Ligue 2. À 3 journées de la fin, on est champion de Ligue 2. D'ailleurs, je l'avais annoncé, je vais le faire tout de suite, option générale. À partir du prochain match, on joue en superstar. Alors peut-être pas en légende, non, mais on joue en superstar. Voilà, on va monter le niveau de cette saison en Fuma. On va finir les 3 derniers matchs de la saison en superstar. De toute manière, vu qu'on est un petit peu au-dessus pour la Ligue 1, ce sera cohérent pour la saison prochaine. Et bien sur ce, merci d'avoir suivi, merci de m'avoir accompagné toute cette saison. Alors c'est pas terminé, hein, il reste 4 épisodes encore. On se retrouve assez rapidement pour le 39e épisode contre Clermont. Suivront Rodez-Lens, le dernier match contre les joueurs qui prennent leur retraite cette saison, comme à la fin de chaque année de Ligue des Masters. Et on en aura terminé pour cette saison 2019-2020. Avec Monaco. Alors on verra si on fait la Ligue 1, peut-être un petit peu en août, mais ça a été annoncé, les annonces officielles sont tombées aujourd'hui. Il y aura pas, alors ça on le savait déjà, il n'y aura pas de PES 2021. La nouvelle génération de PES sera directement pour 2022 sur Next Gen. Cette année on aura un season update, donc avec le même gameplay. Alors, est-ce que je referai une série en l'agrémentant, en faisant genre un match par semaine et en l'agrémentant de petits épisodes de transition avec du contenu un peu différent pour 2020-2021? C'est possible, on verra en septembre, le jeu sortant le 15 septembre, je pense pas qu'on ait le temps de refaire une saison complète. Mais enfin, je sais pas, on verra, on en reparlera en temps voulu. En attendant, merci d'avoir suivi cet épisode. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. On se retrouve très vite. C'était Tonton. Ciao les loups.